Et bonjour à tous, on se retrouve sur The Forager, le petit jeu un peu plus cool que je voulais vous présenter. On va pouvoir directement repartir en jeu. Pensez à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Tipeee et compagnie, YouTube et uniquement YouTube. Peut-être que ça changera par la suite, mais pour l'instant, ça me va très bien. Et donc, on va reprendre là où on en était. Hop, oulala, c'est parti. Donc, The Forager. Hop. Voilà. Et donc, on s'était dit la dernière fois qu'on allait partir à la fabrication du livre moisi qui va nous permettre de... Et alors, il faudrait vraiment que je retrouve... Pardon, je vais finir sur le livre moisi, donc. Finir le crafting du livre moisi qui va nous apporter 15% d'expérience supplémentaire, ce qui est cool. On va faire ça, on va continuer d'avancer, voir un peu ce qu'on nous propose. Je vais faire bien de manger, d'accord, les embrouilles. Et 61 poissons. Voilà. Essayer de voir aussi ce qu'on peut fabriquer d'autre, et puis après il y a toujours aussi le côté... de l'or, de trouver l'or. Voilà. Qui est là, et je me suis fait toucher. Est-ce que j'étais en train de toucher autre chose? Voilà, 81 d'or, il y a toujours 50 œufs à obtenir. Il y a les arbrisseaux du PNJ Gandalf le Vert là. Allez hop, ramasse tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir du fil, du papier, des fleurs c'est ok, du papier. Du papier, ça se fabrique ici. 5 papiers. Ok, qui consomme des fleurs. Pas hésiter à faire le tour. Poisson, c'est toujours bien. Comme ça, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a une canne à pêche à faire avec de l'acier. Si on va faire ça. Juste après, les poissons. On va... Voilà. Et du fil aussi, il me faut pas mal de fil. Alors. Oh. Ah oui, on avait fait... On avait fait passer la fibre optique dans la base. Hop. Je sais pas ce qui se passe là. Ah oui, c'est parce qu'il fait nuit, donc la musique change. Je suppose que c'est ça. Voilà, on va pouvoir replanter des fibres. Pourquoi on a besoin de ces fibres là déjà? Ah bah oui, pour faire du fil tout simplement, parce que là on en a besoin. Allez. Et alors pourquoi on fait ça autour? Bah pour les petits arroseurs, on a vu ça la dernière fois. Hop. Hop, hop, hop. Putain, cette poule de merde. Mais barre-toi quoi. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas envie de m'embarquer dans des... Je crois qu'on peut faire des enclos et compagnie. J'ai pas vraiment envie de m'embarquer autour de ça. Parce que c'est pas très pratique. Faudrait ramener les animaux. Je sais même pas exactement comment on peut faire. Voilà. Une prise. Il y a un moment où on peut débloquer une compétence quand on gagnera un point de... Un point de comp. Hop, ah ben on a assez pour faire le livre moisi. Ce qui va nous aider à gagner de l'expérience. Voilà. Canne à pêche, de l'acier, oui. On s'était dit qu'on allait faire ça. Écoutez, on va épingler. Comme ça, au moins, ça fixe un petit objectif. Puis pour vous, visuellement, c'est plus simple à repérer. Alors, il nous faut 10 lingots d'or, du coup. Hop. Fabrication d'un deuxième fourneau, pourquoi pas. Ça peut être bien. Au revoir. Voilà. Et il y avait toujours ces agrumes à aller chercher, donc c'est-à-dire bah, des arbres à taper. Hein. Parce qu'on avait tenté. En fait, les agrumes, vous pouvez les trouver que dans. J'ai faim. Enfin, voilà. Heureusement, maintenant, on a les poissons cuits. Vous voyez, en trois, c'est plié quoi. Ça, par contre, on peut rien y faire. Hein. La poule qui se planque derrière un arbre. On peut récupérer les œufs parce qu'il nous en faut 50. Là on est à 6, mais je pense qu'on en avait déjà mis au musée. F-
fameux musée vide, hein. Vous rentrez dans le musée, bonjour, n'hésitez pas à voir toutes nos collections, enfin, si vous pouviez ramener vous-même vos propres œuvres. Comme ça, au lieu de les admirer chez vous, vous les admirez dans notre musée. Ah, voilà, un agrume. 24 agrumes. On va y arriver. Alors, pourquoi... Ah, ben voilà, il est là. Alors, 15%. Je sais pas comment c'est géré, parce qu'en fait, on... Regardez. Hop, j'en ai 3. Donc, en fait, 15% de 3, ça marche pas, là. Est-ce qu'une fois de temps en temps, on va avoir un de plus pour gérer ces 15%? Je suppose que c'est assez bien fait aussi, ils ont dû y penser. Parce que voilà, la plupart des trucs, on va reprendre ça. Voilà, ça permet de gagner plus d'expérience quand on cueille des fleurs, quand on cultive, etc. etc. Donc voilà, on va regarder ça. Et une vache. Hello la vache. Ah oui, on peut rien faire par contre avec une bouteille, on va pouvoir ramasser du lait. Et je pense qu'en plus c'est quasiment à l'infini le lait. Donc ça c'est très cool, parce que ça va pas... Faut vraiment pas la tuer parce que c'est très rare. Hein. Vous voyez, depuis le début du jeu, on en a pas eu. Allez, on plante. On va finir de planter toutes nos graines. Et on va aller se faire des petites bouteilles. Alors je vous avoue que je vais pas à chaque fois ramasser toutes les prises. Parce que sinon on va pas y arriver. Par contre, il faut vraiment qu'on trouve très très vite le moyen. Ah bah, voilà. J'espère qu'on va pouvoir le débloquer. Les nasses, c'était où? C'était là. Cuisine débloque, c'est pas ça. Permet de manger, c'est pas ça. Fait apparaître un compagnon ailé. Maçonnerie, débloque les tables de maçonnerie, débloque les bras zéro. Mais c'est tout. Coûte moins cher les potions, débloque les parchemins, les niveaux experts. Ça sert pas à grand chose. Les structures sont deux fois plus résistantes. 25%. Et les entrepôts plus d'inventaire. On va faire ça. Et après, on ira se diriger plutôt vers tout ce qui est industrie et fabrication. Pour voir ce qu'on nous propose d'autre, parce que je sais qu'il y a des trucs absolument incroyables. C'est les usines qui proposent vraiment de fabriquer des trucs un peu complexes à aller chercher, surtout en début de jeu, mais qui vous permettent notamment d'aller débloquer les bâtons de minage qui vous permettent, en fait, vous les plantez à un endroit. Et ça va venir assembler, ramasser toutes les ressources en permanence. Les creuser, hein, pas simplement ramasser ce qu'il y a à terre comme là. Vraiment, ça va venir voilà, taper dans l'arbre. Et donc ça vous permet d'automatiser un petit peu. Ne vous inquiétez pas, le jeu s'arrête pas là. Hein, parce que ça, c'est vrai que c'est le truc qu'on fait un peu à la mano au début. J'avoue qu'une fois que vous avez ça, ça va quand même beaucoup plus vite. Il y a quand même plein de trucs qui peuvent se débloquer beaucoup plus vite. Ramasser de l'or, parce qu'en fait du coup vous êtes vraiment concentré sur le crafting plutôt que de farmer, que de ramasser en permanence les trucs. Voilà, des algues qui me servent à rien. Alors dans ma première partie je m'étais amusé, mais c'était un peu con en fait au final, à mettre des routes pavées partout c'est très con, pour pas être emmerdé avec les feuilles, parce que là on s'en rend pas compte parce que la map est assez petite et je tourne toujours au même endroit, je farm énormément. Mais quand vous laissez 4-5 minutes sans venir dans une zone, bah vous voyez la petite île là qui était à gauche était pleine. Vous voyez là déjà c'est en train de repousser. Et en fait bah vous passez votre temps à buter contre tous les trucs. Donc en fait vous minez, vous n'avancez plus. On va essayer d'aller acheter une nouvelle île. On va regarder combien on dispose, combien ça coûte d'acheter un terrain. Là on peut 560, 280, 350. Ah, on peut peut-être acheter les deux. Ok. Eh ben écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc ça c'est une petite énigme. On peut voir aussi que certains biomes, vous voyez, sont vraiment très 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 découpés. Et alors quand vous commencez à avoir vous avez un truc qui est là, bah vous pouvez pas passer, il faut farmer à chaque fois. On va manger, et là, je dis énigme. Et je pense, vous voyez là, alors, il y a des énigmes relativement faciles comme celle-là. Là je pense que c'est, en fait vous appuyez sur le truc, ça descend
Et là, je pense que c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, c'était tout con. Il y a des trucs qui sont plus ou moins faciles. Je vous avoue qu'il y a des trucs que je suis allé voir sur internet parce que c'est impossible. C'est des... Vous savez, des choses où on verra peut-être par la suite parce que je dis que je ferai pas tout. Où en fait, vous devez appuyer... Quand vous appuyez sur... par exemple, vous avez... mais c'est pas une blague, vous avez 20 ou 30 piliers comme ça. Quand vous appuyez sur un, il y en a 3 qui descendent, 2 qui montent. Et en fait, vous devez baisser tous les trucs. Mais c'est aléatoire. Et on parle vraiment d'une vingtaine de... Elle m'a donné un petit coup, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Bonjour! Très cher enfant. Laisse mes fées soulager ton corps exténué. Je veux te demander une modeste contribution. Je te récompenserai avec le pouvoir de mes fées. Ouais. Puisse la lumière te guider dans ta quête. Ok, donc là, elle demande 10 000. 10 000 pièces. On en a 24. Voilà. Autant vous dire qu'on va pas le faire tout de suite. Alors, même si c'est pour le pouvoir des fées ou je sais pas quoi, on ne va pas le faire tout de suite parce que bah là typiquement, en plus, vraiment, il y a des PNJ qui donnent des trucs super cool. Hein. Mais il y en a d'autres, c'est pas terrible, terrible. On a dit qu'on se faisait une canne à pêche. Et bah, on va y aller tout de suite. Il faut de l'acier. 5 d'acier. Il faut des lingots de fer. 7. Allez, on ramasse. Faut vraiment qu'on trouve vite le point de compétence, qu'on arrive à arriver jusqu'au point de compétence pour ramasser automatiquement les NAS. Parce que ça, c'est un truc qui... Voilà, c'est le début un peu de l'automatisation. Hop, je pense qu'on... Voilà, on en fabrique 5, on va pouvoir avoir accès à la canne à pêche. Même si je l'ai dit la dernière fois, la canne à pêche, c'est vraiment pas terrible. Alors, 30 arbrisseaux. Qu'est-ce qu'on est? Ok, où est-ce qu'on en est en termes d'arbrisseaux? Allez, on peut en fabriquer 9. Ah bah écoutez, c'est mieux que rien. Hop, passe-moi un 9. Bah, je veux bien, je veux pas, je suis contre la violence animale, hein, c'est pas ça. Mais le jeu est assez... imprécis, ce serait un peu injuste de dire ça, mais bon, voilà quoi. Taper vite à côté. Quand il y a des trucs superposés, c'est vite relou quoi. Alors, on va creuser. Ça m'a creusé trop. Parce qu'on a que. On a que 12 graines. Hop, donc on va planter un maximum. Je ferais bien de manger, évidemment. Ok, voilà. Donc, hein, 36 arbrisseaux. Je sais pas comment, ok. J'ai cru qu'on avait beaucoup moins. Merci infiniment. Donc là, ils nous en demandaient 30. Tu as sauvé la vie, tu as sauvé la forêt, pardon, de ces vandales armés de pioches. Et deux trésors. Il y a un truc qu'on peut aussi aller voir. Donc là, on va pouvoir aller faire. Hein, là, on va pouvoir faire notre canne à pêche. On a élargi aussi les entrepôts. C'est vraiment pas ouf quoi. Enfin, ok. Bon, on a gagné un truc qui nous... Oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bonjour l'ami. J'ai une dernière quête à te confier. Il me faudrait un œuf de dinosaure. Ok. Bon. Si je mets la main dessus, je pourrais élever et protéger la créature. Les dinosaures font les meilleurs amis du monde, j'en suis sûr. Alors là, l'œuf de dinosaure, c'est ultra rare. C'est le truc, je crois que je l'avais eu dans un marché à l'époque. Hop, là, si on va pouvoir fabriquer la canne à pêche, tuer lui. Donc c'est vrai que... Hop. On va aussi voir ce qu'il nous faut pour le livre suivant. Oh, mais ça, on peut carrément, en plus. Donc là, il nous faut 5 de papier. 1, 2, 3, 4. Ah, 4, merde. Il nous manque. Donc là, c'était pour dire d'avoir. Hop. De la fibre. Pour avoir du fil. On va aller refabriquer un peu de fil. Parce que ça sert toujours. Allez, hop. On peut tout mettre.
On peut tout mettre, de toute façon ça sert à rien d'en garder autant. Là, vu que c'est un peu en attente, on va pouvoir fabriquer de la viande. Et alors ce que j'avais fait par contre, et ce que je pense refaire, en fait on a la possibilité dans le jeu de fabriquer des chemins, on va dire, dans toutes sortes de matières, qui sont plus ou moins résistants. Et qui permettent en fait aux ressources comme ça naturelles de ne pas popper. Si vous mettez un chemin, bah en fait ça restera un chemin et ça pourra plus popper. Vous pouvez le détruire aussi, hein, évidemment, comme tous les trucs du jeu. Mais juste taper lui. Mon énergie est au plus bas. Okay. Tu es 100 ennemis déjà ? Ok, pas l'impression. Il y a toujours ce coffre. Pourquoi on n'y va pas ? Allez, on va aller chercher ça. De la fibre, c'est intéressant. La canne à pêche, alors je vais vous montrer quand même à quoi ça sert. Hein. Bon, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? La pelle aquatique, on peut toujours pas parce qu'il faut de la belladone. La pioche en os, on peut pas parce qu'il nous faut des scarabées qu'on n'a pas encore vu. Et l'épée en or, il faudrait qu'on débloque le cuir, tout simplement. Et là, on va fabriquer une clé. 4 lingots de fer, 2 lingots d'or. Ok. De lingots d'or, ça se balade assez vite. Allez, on ramasse. Voilà. Petite musique en jouée. Hop. Mon inventaire est plein. Ah oui, là je l'ai déjà élargi. Merde. Bon, on va aller poser ce qu'on peut poser déjà au musée. On a sûrement ramassé plein de trucs. Comme les arbrisseaux, je sais pas si ça en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? De la fibre, oui, de la fibre on peut poser. Des œufs, on peut. Merde, qu'est-ce que. Oui, c'est bon, j'ai mis les œufs. Du blé, j'ai envie d'en garder en fait un petit peu. Ok. Minage. Allez, alors là, c'est toutes les. Hop. Le reste, c'est pas là. Mais vous voyez, on voit que c'est en blanc, donc c'est-à-dire que je l'ai, mais je l'ai dans le coffre. Ça, on va pouvoir le revendre dès qu'on aura un marché. Les pépites d'or, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est pareil, on peut, hein, du verre et compagnie. Alors c'est pareil, tant qu'on n'a pas tout, ça sert à rien d'eux. Ah oui, là, on peut fabriquer plein de potions. La cuisine, on n'a pas débloqué encore. On peut faire ça et la cueillette, peut-être. Alors, les agrumes, on peut maintenant, c'est bon. Cactus, belladone, ça je sais plus ce que c'est, je crois que c'est de la lavande et des trucs qu'on aura vraiment beaucoup plus tard dans le jeu. Alors, ce que je trouve dommage avec ce musée, alors c'est bien hein, ce côté un peu, c'est pareil, ça rajoute une mini quête. C'est qu'en fait, vous allez quasiment tout compléter à la toute fin du jeu, mais quand même ouais, assez tard dans le jeu. Alors je vais juste reprendre ça, je vais poser les encres parce que ça ne sert à rien, ça je vais non, alors ça je vais le récupérer mais je vais le virer, ça sert à rien pour l'instant. Ça on va aller le planter, etc. Hop, ce qu'il faut surtout c'est fabriquer notre cinquième feuille. Voilà, c'est fait. Alors je l'avais dit, hein, les fleurs, vous voyez, on en récolte pas mal, et là on a flingué toutes les fleurs qu'on a ramassées depuis le début du jeu en fabriquant du papier. Hop, et de 1. Hop, et voilà. Vous voyez, ça se remplit hein, un peu à la fois quand même. Bon, là il faut de l'acier, des briques et compagnie. On fera ça un peu plus tard. Là, ce qui m'importe, c'est surtout de fabriquer le tome visqueux, et donc il va me falloir du verre. 32 verres, c'est pas mal. Hein. Hop. Donc là, il va nous falloir du sable. Donc ça, c'est, oui, c'est. Il y a des trucs, depuis le début du jeu, on ramasse du sable, ça nous sert, bah, donc ça nous sert qu'à faire du verre. Et là, d'un coup, en fait, on va tout utiliser. Voilà. Autre méthode pour pouvoir récupérer l'argent. Hop. Autre méthode pour ramasser le. Ok. Non mais dégage aussi. Une autre méthode pour ramasser le. Du sable, c'est creuser. Si
qui s'appelle. C'est tellement aléatoire et puis surtout ça consomme vite de l'énergie. J'aurais dû utiliser la viande. Et en fait, oui, il y a quand même un peu de sable. Hein. Voilà, ouais. Si c'est un tous les. Ah, attendez, je fais des conneries. Ah, mais voilà, bon. C'est possible si vraiment, voilà, là on est en rate de sable parce qu'il faut qu'on fabrique du verre rapidos. Mais c'est bon. C'est, allez, un tous les 6-7 coups de pelle, je dirais. C'est pas mal, mais c'est pas. C'est moche en plus. Les petits trous, toujours les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous. Ok, donc là c'est le bazar. Allez, on ramasse. Il ramasse pas très loin, enfin, ça va, mais il y a un petit délai. Hop, voilà, voilà. On va peut-être fabriquer une clé aussi, parce qu'on a un coffre là-bas. Une fleur, c'est très important. Une clé. Il nous faut 4 lingots d'or. Et surtout, il faut du verre. Un de verre. Un de verre, voilà. Un seul. On va se focus là-dessus, comme ça on ira directement chercher le tome visqueux. Voilà. Et c'est parti. Et donc là, maintenant qu'on avait ça en stock, on va fabriquer une clé. Et il nous faut 4 lingots de fer. On va pouvoir refabriquer. Ouf, oui, on a plus tant que ça. On va pouvoir aller fabriquer de nouveau. Hein? Et merde, j'ai vendu toute ma fibre. Bon, c'est pas grave. Viens là, toi. Voilà. Réactiver ça. Là, je l'ai, on en a pas mal aussi. Vous voyez, 254. Il y a des trucs aussi, faut pas hésiter à les garder, à les stocker. Parce que quand à un certain moment du jeu, quand vous aurez des marchés, quand vous aurez débloqué certaines améliorations, vous allez vraiment pouvoir vous faire des. Comment dire. Des couronnes en or tout simplement en revendant des milliers et des milliers de trucs que vous aurez ramassés. Là on est au début, mais à la fin vous avez une épée qui fait des trucs de fou, De la fibre. Là, vous avez d'autres types d'armes qui vont produire des trucs à chaque fois qu'elles vont taper. La pelle, n'en parlons pas. Il y a une pelle qui déterre la moitié de la map en un coup de manche. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup à la mano. Voilà. Hop, hop. Est-ce que je peux refabriquer du coup des graines de coton? Oh, bah voilà, c'est pas mal ça. 12. Bon, allez, on va tout refaire. Faut vraiment qu'on aille chercher. Alors, on avait fabriqué pour dire d'avoir une clé. Hop. Et en attendant. Alors, je le dis aussi, vous voyez, là, on a eu le tome moisi, puis le tome visqueux. C'est pas à l'infini, hein. C'est. Ah oui, là, le tome visqueux. Qui ne me permet de gagner 30% d'XP supplémentaire. Pas mal quand même. Alors, hop, on a eu la clé qui va nous permettre d'ouvrir le coffre. Vous voyez, donc là, on est sur un terrain qui est très accidenté, on va dire. Il y a beaucoup de trous. Vous voyez, dès que vous les passez, mais c'est la galère, en fait. Surtout avec 4 coups. Voilà, il y a une pelle qui va tomber. C'est au bout d'une étoile. On va la chercher. On peut fournir des trucs assez incroyables. Je suis épuisé. Putain, mais il y a une étoile. Allez là. Il a un peu endommagé mon moulin, vous voyez. Hop. On va aller chercher ce point d'expérience supplémentaire. Cette compétence supplémentaire. Et on va aller explorer tout ce qui est usine et compagnie. Débloque les postes de menuiserie. Débloque le cuir. Bon. Ce que j'aime avec ça, c'est que ça va nous faire 2 augmentations supplémentaires. Hop, pour avoir le marteau, l'acier royal et les habits royaux et les bottes et les gants. Oui, ça c'est deux très bonnes choses. On va voir ça tout de suite,
Déjà, on va gagner beaucoup plus. Voilà, là, on gagne 4. Alors que tout à l'heure, on gagnait 3. Ça paraît rien, mais quand vous voyez le nombre de trucs qu'on farm, si vous couplez ça à l'hôtel qu'on a activé pour dire d'avoir encore plus de, d'énergie, de, d'expérience. C'est pas clé l'expérience, mais ça, voilà, c'est un autre moyen d'avancer dans le jeu avec l'acquisition des terrains. C'est pas juste un moyen de. Oula. Calme-toi bien. Alors là, il faut qu'on aille ouvrir ce coffre. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, les filets de pêche, les poissons piégés, enfin tout ce qui est piégé dans les nasses sont collectés automatiquement, voilà. Alors là, je pensais que c'était une amélioration de point de compétence en gros. Mais non, c'est... voilà. Donc là on va voir, attendez, je me mets au milieu. Ah, là c'est parce que ça paye, il faut qu'il remette à zéro son truc, mais... on va le voir. Hop. Vous voyez, c'est venu directement. Vous voyez, je suis quand même assez loin. Si je tape là, regardez, hop, je tape là et je m'éloigne, c'est... Hein ? D'accord. Bon, croyez-moi sur parole, vous voyez, il n'y a plus écrit une prise en fait. Je suis plus obligé d'aller voir le truc, vous voyez, hop, ça sort automatiquement. Et donc c'est très pratique parce que vous voyez déjà là on a un premier, première manière d'automatiser un petit peu. Allez, je prends. Première manière d'automatiser un petit peu le... crafting et ça fait bien plaisir. On va récupérer les algues pour les manger, on va récupérer les trucs qu'on vient de fabriquer, donc du coup je suis blasé. Ça on va voir si on peut pas aller le stock, le récupérer. Ah oui non, je suis déjà full. Alors attendez. Là ça on peut jeter. Et je pense qu'on va très vite se faire le marché en fait pour pouvoir vendre tous les trucs qui ne servent à rien. Ça par exemple, je peux fabriquer des arbres. Les arbres viennent là partout, j'en ai pas besoin quoi. Agrumes, du charbon peut stocker. Ah! Alors maintenant qu'on a de quoi fabriquer, récolter automatiquement, hop, voilà, je refabrique une nouvelle nasse qui va nous permettre aussi. Oui, 44 poissons. Je fais un essai, regardez, je vous montre. 44 poissons. On va jouer un petit peu. Vous allez voir que très vite. Donc là, en fait, avec ce filet qui nous permet vraiment d'automatiser, on se prémunit de tout ce qui est problème de bouffe. On n'avait pas vraiment de problème depuis les buts, mais il fallait récolter des baies, il fallait voilà, retourner et manger. Là, vous avez les boissons dans la barre dans la barre de tâches, là, dans la barre d'outils. Hop. D'aller beaucoup plus vite. De la fibre. Hop, on a dit qu'on allait replanter un petit peu de... Allez, hop. On est parti. Faire le tour, regarder s'il n'y a pas des trucs à creuser aussi. Putain, quelle galère, elle dégage. Mon champ, là-haut. Hop. Bon, voilà, là, je fais ce petit jeu un peu zen, mais je pense que... Puis, il y a d'autres choses qui arrivent sur la chaîne. Hop, pour proposer des choses un peu variées. Après, voilà, moi, je suis pas un féru de jeu... Il faut tuer, dézinguer tout le monde. Je suis assez mauvais. Enfin, je parle de jeux de tir et compagnie. Après, vous présenter du jeu de tir contre des ordis, des IA, je pense que c'est pas très intéressant ni pour vous ni pour moi. Vous voyez, là, ça pousse assez vite. Donc, allez, ce serait bien d'acheter un nouveau terrain, notamment pour avoir d'autres biomes, parce que là, on est que sur des biomes d'herbe. Mais vous verrez qu'en fait, il y a d'autres biomes. Et donc, qui dit autre biome, qui dit aussi autre ressource. Parce que là, vous voyez, il y a des trucs qu'on peut pas encore faire. Je dis, ah bah tiens, il faut de la belladone ou des choses comme ça. Pas le faire. On ne peut pas le faire du tout. Et là, je vois qu'il y a un truc là, à creuser. Vous voyez, quand il y a un petit trou comme ça, que vous pouvez creuser, là, vous allez, vous voyez, rien à voir ou du sable. Là, bon, il y avait de l'or. Mais... il peut y avoir surtout les fameux rochers. La fin, Michel. Vous voyez, avec les algues, c'est beaucoup plus long. Bah, au début, on était que les baies, donc vous voyez, c'était hyper long.
Et j'ai 15 B, je me demande il faut combien pour fabriquer une nouvelle NAS? 20, ok, bon. Agriculture, on a tout fait. Peut-être refabriquer une petite banque pour accélérer un peu le truc. Donc il nous faut des lingots d'or. On a zéro des lingots d'or? Ah oui, ben non, oui, je pense que c'est du... Et ce qu'on va faire, donc, on va en fabriquer 10, ça c'est pas le souci. On va se refaire un autre fourneau à côté. Hop, on va le mettre ici. Comme ça, ça va nous permettre de fabriquer beaucoup plus vite certaines ressources. Hop, un peu de viande, récupérer de l'argent. On va voir combien il nous faut pour creuser. Bon là, l'œuf de dinosaure, on va pas l'avoir tout de suite. Faudrait globalement aller le choper dans un marché. Tout ça, on a dit qu'on pouvait pas le construire. Ça, voilà, on peut pas. Parce qu'en fait, ça, c'est sur d'autres biomes. Est-ce qu'on a débloqué le cuir? Ah oui, il est là. Donc là, la peau, alors c'est pareil, c'est rare, parce que c'est en fait, c'est seulement les... Soit vous tuez les vaches, il y en a très peu, et puis surtout, ça vous fournit du lait qui peut vous permettre de fabriquer d'autres trucs. Soit vous avez les monstres, là, les espèces de taureaux qui vous foncent dessus, mais vous voyez, depuis le début du jeu, on n'a que 25. Donc là, on va fabriquer tout ce qu'on peut en cuir, qui va nous permettre de débloquer d'autres choses. Et donc là, il nous faut de l'acier. Ok, et donc pour avoir de l'acier, il faut du lingot de fer. Voilà, on en a 10. Et là, il nous faut 18 briques. Et pourquoi pas 20? Parce qu'on a dû débloquer une compétence où les bâtiments coûtent 25% moins cher, un truc comme ça. Pas 20, 25, vu que c'est que 2 de moins, mais... Et 12, vous voyez, 12, tout à l'heure, on était à 44 sans rien faire. Et on est déjà à 109 poissons. Donc, c'est la folie, quoi. Donc forcément... Ah, bah ça, là, c'est eux, ils vous filent du cuir. On ne va jamais à l'épée, hein, vous avez remarqué. En fait, la pioche va très bien. Pourquoi il veut pas? Mon inventaire est plein, mais c'est relou ça. Des os, on va les garder parce que ça pourra servir après. Je suis désolé, les algues. Plus on va en ramasser tellement. On va voir si on peut pas les donner aussi. Si on peut les ramasser. Donc on a encore 16 graines. Il y a peut-être de la fibre à donner, on va voir si on peut pas donner un peu de fibre. Je sais qu'il y a du lait à donner, donc ça peut être bien de fabriquer aussi des bouteilles en verre. Juste fabriquer l'acier, lancer la production de l'acier. Comme ça on va pouvoir mettre l'or tout de suite, et il va nous falloir un lingot d'or supplémentaire. Vous voyez là, ça y est, toutes les nasses, hop, ça fournit. Lingot d'or. Ok. Allez. Du fil. On va garder ça parce qu'on sait jamais. Des fleurs, c'est toujours intéressant pour aller choper du papier. Il faut qu'on regarde comment fabriquer le troisième livre. Donc on a le livre moisi, le livre visqueux. Voir un peu. Parce que ça nous permet de gagner beaucoup plus d'expérience. Et oui. Ça, c'est un truc que j'ai fait à la toute fin quand j'étais déjà niveau 64 en gros, ou 65. Il y a 64 ou 65 niveaux. Mon inventaire est plein. Blablabla. Fabriquer un marché aussi, c'est pas bien. Hop, donc on va fabriquer une banque et je sais pas si on a déjà pris l'amélioration qu'on avait vue pour dire que deux banques à côté produisent plus vite, mais dans le doute, hop, on va les mettre à côté. Voilà. Alors, minage, et soin des trucs. Ça. Ah merde, j'ai pas tout pris. Ça, c'est voilà. Et voilà, il m'en reste deux. Ça, je pense que c'est que la table d'invocation qu'on peut fabriquer les parchemins et les fameux cristaux. Je sais plus où ça se situe. Allez, la fibre, c'est terminé. Là, il va falloir qu'on fasse un vrai boulot de ramassage de blé en cultivant. Pareil pour ça, mais on peut pas les avoir. C'est pas sur le même biome. Et le lait. Et toujours les œufs. Dans la cueillette, qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on a? Des agrumes, on peut donner. Le reste, on n'a pas. Chasse, cuisine, alchimie, construction peut-être. Ah, mais le cuir, ça m'embête, ça va vraiment servir après. Ouais, je suis pas sûr. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà pas mal de. Hop, de gemmes. Pourquoi ça se ramasse pas? Parce que c'est sorti pendant... Je sais pas.
Ok, bon bah il faut de la belladone, donc voilà, et le fameux cuir, hein, vous voyez, 12, c'est quand même assez rare. On peut pas fabriquer les fameux parchemins, hein, c'est les fameux parchemins qu'on nous demandait. Parchemin d'érudit. Ah, garde expérience immédiat, c'est pas mal. Effet en bouteille, pigment vert. Et bah ça, on peut pas faire du cactus. Et des algues. Ah d'accord, ça vaut le coup de garder les algues. C'est bon à savoir. On se refabriquer. Voilà, pour être à l'abri. Et on a dit qu'on allait s'occuper de fabriquer des grains de blé. Allez, hop, on va tout mettre. De toute façon, on va récupérer après. C'est pas mal. Bon. On va pouvoir creuser. Ah oui, on avait encore de la fibre. Ce serait peut-être bien de finir la fibre avant de commencer le blé. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bruit? Meurs, saligo. Allez, meurs. On meurt. Qu'est-ce qui se passe? Allez. De la viande. On va farmer un petit peu en attendant. Mais oui, ça pousse assez vite. Là, comme on est un petit peu moins dans le farming, vu qu'on a déjà pas mal de bois, de pierres, etc. Ça pousse extrêmement vite, quoi. Donc, il faut... même pas mal avancer. On a dit qu'il nous fallait des œufs et du lait. Après, le musée, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. C'est... Ouais. Enfin, non, c'est pas obligatoire. Rien d'obligatoire, c'est pas ça. Mais ça doit pas être prioritaire, quoi. Non, non, voilà. Du coup, j'ai perdu un point de vie pour cette poule. Je me serais sacrifié. Mon inventaire est plein, ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc on a dit qu'il fallait qu'on garde pas mal de trucs. Je crois qu'on va se refabriquer un entrepôt, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a là de beau? Y a pas des trucs en double? Non, des agrumes, du cuir, de la viande. Bon, bah c'est tout, hein. C'est vrai qu'il y a un nouvel entrepôt. Industrie. Non, c'est pas industrie. C'est pas agriculture. Économie. Hop. Allez, deux d'acier. Il nous faut des lingots de fer, des lingots d'or. Donc on va fabriquer pas mal de lingots d'or ici. Pas mal de lingots de fer ici, que ça sert un peu plus vite. On en a un tout petit peu de réserve. On peut pas taper, hein, on peut pas les tuer les PNJ, hein, vous inquiétez pas. Hop. Mon inventaire est plein, oui j'ai bien vu. Sac à dos moyen, 4 places d'inventaire en plus, ça peut être pas mal. Et ça, on peut le fabriquer aussi. On va juste fabriquer l'entrepôt, le sac moyen, le petit portefeuille. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour cette vidéo. On aura déjà vu pas mal de trucs. On va regagner un point de compétence. On va dire qu'on avait... Alors, les bottes et les gants, c'est bien. Le marteau pour réparer les structures. On va plutôt faire ça. En plus, ça va nous libérer les trois autour. Hop. Fonderie, les fourneaux produisent plus vite et les forges aussi, pas mal. Réduit de 15% les prix des marchés, c'est pas mal, même si on n'a pas encore. Débloque les amulettes, la vente de gemmes rapporte 20% de pièces en plus. On va débloquer les marchés prochain niveau. Mais là on n'est pas là-dessus, mon inventaire à plein, ça me saoule vraiment. Bordel. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Ah, attendez, j'entrevois une faille. Hop, là j'ai pile 20 dés. Du coup, vite. J'ai pas des trucs à dépenser. Je peux manger mes algues. On a dit qu'on les gardait. Ah, je peux manger le dernier steak. Prends les deux trucs. Et fabriquer tout l'acier dont j'ai besoin. Ramasser cet œuf, magnifique. Ça, on va garder pour l'instant. Ben non, on peut. En fait, c'est pareil, ça va nous permettre de nous libérer un petit peu.
les places d'inventaire et je viens de flinguer mon machin parce que ce truc est pas solide du tout. C'est pas grave, arroseur. Hop. Je pense qu'on ne perd pas de... mettre de la fibre. On pourrait faire plus d'arroseurs après, mais c'est assez long de l'agriculture dans le jeu, c'est pas très utile. Voilà, bon, c'est bien ce qu'on a flingué toute notre fibre. L'acier, c'est ok, et on va mettre les deux entrepôts à côté. Ici plutôt, ça gênera un peu moins le passage. Ok, bon, c'est cool. Alors, on va pouvoir stocker vraiment les trucs. Stocker, c'est vraiment, voilà, les pierres, des trucs. À chaque fois que vous allez les ramasser, vous allez les mettre dans votre inventaire, c'est très bien. Des trucs que vous n'avez pas besoin d'avoir sur vous. Vous avez besoin d'avoir quoi sur vous? Vous avez besoin d'avoir votre nourriture, certains objets. Là, pour l'instant, on peut les arbrisser, on va vraiment les vendre. Les algues, ça peut être bien, parce qu'au moins, dès qu'elles vont popper, c'est comme les poissons, en fait. Dès que les poissons vont popper, hop, ils iront directement dans l'entrepôt et puis dans votre inventaire. Ça sert à rien de les avoir sur vous. Ça, le fil, tout ce qui est crafting. C'est pareil, c'est un truc que j'ai fait assez tard dans mon précédente partie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais vu que j'ai fabriqué déjà des entrepôts, le coût d'un entrepôt coûte plus cher. C'était 10 briques, je crois, et 2 d'acier. Et là, c'est 3 briques. Et c'était 2 d'acier, pardon, et 10 briques. Et maintenant, c'est 3 d'acier. Et 11 briques. Et bah écoutez, vous savez quoi, on va tout de suite en refabriquer un autre. Donc on va se débarrasser de notre acier pour gagner de la place. Et au moins on aura un inventaire bien, bien libre. Voilà. On va se fabriquer... Oh, les gants rudimentaires. Bah écoutez, on verra ça, je vous montrerai ce que c'est la prochaine fois. Là, on a déjà pas mal de trucs. Je vais juste attendre de fabriquer l'entrepôt. On aura fabriqué les livres moisis. On aura continué d'explorer et de compléter le musée. On aura aussi acheté 2 terrains. Donc, c'est pas mal. On aura fait pas mal de petites choses. Allez, hop. Et on va le mettre à côté. Mettre à côté, c'est tout. On va se décaler un peu pour être sûr. Pas industrie, toujours pas. Économie, entrepôt. Si je fais ça, je peux toujours passer. Ouais. Ouais, je peux passer, hein. Et on va pouvoir stocker, bah c'est pareil, tout ce qui est farming. Bon, les os, on va les garder puisqu'on peut aller les porter. Ça, vous voyez, c'est important de le garder. Ça, ça sert à rien de le garder sur soi. Le blé, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Les os, on va les garder. Ça, ça sert à rien. Les baies, ça sert à rien puisqu'on les mange plus maintenant. Ça sert juste à fabriquer des nasses. Et les betteraves, c'est pareil. On en aura besoin quand on fabriquera des graines, et pour l'instant on n'en a pas besoin, on en aura peut-être besoin après. Voilà, donc une base qui se construit peu à peu. On va continuer d'avancer, de débloquer. On va ramasser, voilà, hop, deux fois plus d'argent qui se produisent. Allez, viens ici. Et est-ce qu'on peut acheter? Mon énergie est au plus bas, évidemment. Vous voyez, en termes de ressources, on est quand même tranquille. On débloquera les marchés pour débloquer. On peut acheter un terrain. Et ben voilà, on peut acheter un terrain, deux terrains. Mais écoutez. Choup. J'ai envie de dire, on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, un petit let's play un peu sympa, un peu plus tranquille. Et puis on se dit pour une prochaine fois, pour avancer encore un petit peu dans le jeu. Je ne sais pas à quel moment je vais m'arrêter, parce que là je progresse quand même assez vite. En 3 épisodes, on a déjà une belle base, on a déjà fait pas mal de choses. Après, c'est plus améliorer ce qui est en cours, mais je pense qu'on a encore la possibilité de faire quelques épisodes pour avancer. Puis n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, à vous abonner, surtout partager la vidéo. Je l'ai dit la dernière fois, c'est un peu un petit Minecraft, c'est un peu moins complet, mais c'est aussi plus simple à appréhender. Vous voyez, la partie combat est beaucoup plus simple. Vous, voilà, ça passe le temps, ça se passe très bien. Vous fabriquez, vous avez des petits objectifs. C'est un peu plus guidé que dans Minecraft où on dit, bah voilà, c'est un immense bac à sable. Fais ce que tu veux. À très très bientôt, ciao, merci beaucoup, salut.